Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro V14 sur les factures d'acompte. Le principe des factures d'acompte, lorsque vous établissez un devis et que vous demandez, admettons, un acompte de 30%, eh bien, lorsque votre devis va être accepté et que vous allez recevoir un chèque correspondant à 30% d'acompte, nous allons voir comment établir une facture d'acompte que vous allez pouvoir envoyer également à votre client. Et lors de l'établissement de la facture finale, nous allons voir comment affecter cette facture d'acompte à la facture finale. Et lors de l'aperçu ensuite de la facture finale, nous allons bien voir qu'effectivement, il y aura bien un acompte de déduit. La première chose donc que nous allons faire, c'est un devis, donc dans les documents de vente. Je vais donc faire ajouter. Je vais créer un devis. Je vais chercher donc un client. Voilà. Ensuite, au niveau des éléments, je vais, mettons, indiquer que là, c'est une prestation, mettons, par rapport à de la main-d'œuvre pour, mettons, faire, je dirais, une chambre. Donc, éventuellement, je vais indiquer donc qu'il y en a pour, mettons, 7 heures de travail. Donc, admettons, voilà. Donc là, j'ai un devis de 175 euros. Et effectivement, donc, dans ce devis, je demande éventuellement un acompte de 30%. Donc, vous envoyez votre devis à votre client et votre client vous le retourne accepté avec effectivement 30% d'acompte. Donc, admettons,